Des supporters des Verts en partenariat avec Active, présenté par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 111 du Synthé Night Club. C'est la trêve. Et alors que Bouchouari et Mouefek s'envolent pour le Maroc, la majorité de l'effectif va pouvoir travailler tranquillement en attendant le match contre Laval. Enfin, travailler, mais aussi se reposer, car à en croire les différentes déclarations d'après-match, les joueurs sont bien fatigués, plus que nous forcément, puisque nous on a eu la chance de pouvoir piquer un bon gros roupillon pendant le dernier match contre Ajaccio. On ressort, cela dit, quand même d'une série de 13 points sur 15 possibles, ce qui comptablement est sacrément positif, mais je suis sûr qu'on va avoir de nombreux axes d'amélioration à souhaiter ce soir. Et cela dit, je vous préviens, même si trêve internationale il y a, une belle émission se prépare pour lundi prochain, alors soyez bien présents la semaine prochaine, je peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, mais on aura un très bel invité. Ce soir, je serai accompagné par notre cher Antoine Chira. Bonsoir Antoine. Salut Keun, comment ça va? Ça va, plutôt bien, un petit peu malade comme on se disait en début d'émission, mais ça va, et toi comment ça va? Ben écoute, ça va, je me suis réveillé de la sieste de ASS Ajaccio il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure, juste pour l'émission, donc parfait. Parfait, et ben j'espère que t'as fomenté des belles théories pendant ton sommeil. On va parler de tout ça ce soir et on va parler bien sûr du début de saison. Et puis ce soir, pour nous accompagner également, Martin Monnier. Bonsoir Martin. Salut, salut à tous. Tu vas bien? Ça va, ça va, c'est sûr que c'est pas la folie, C'est plutôt anesthésiant, j'allais dire, les dernières semaines des Verts. Mais écoute, au moins on est dans le coup. On est dans le coup, tout à fait. On est cinquième pour l'instant et on espère que ça va continuer de grimper. Et puis bien sûr, celui qui s'investit au moins 1000 fois plus pour ce club qu'un certain Nanar. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Tu vas bien? J'ai fait le déplacement à la santé pour voir ce néant footballistique dans un néant, un stade creux, donc ça pourrait mieux aller, mais content d'être là. C'est vrai, voilà. Que je sais pas si vous suivez un certain Loïc Durand sur YouTube, qui est un supporter de l'AC Ajaccio, qui fait tous les déplacements de son club et qui fait des petits vlogs sur ses déplacements. J'aime bien ces vidéos et j'attendais impatiemment le match contre Saint-Etienne. Bon, bah, j'imagine que le vlog va pas être le plus passionnant du monde. Et puis dans le chat, bonsoir bien sûr à vous qui êtes là et qui nous écoutez ce soir en direct ou qui nous écoutez en replay. Sachez que juste avant le début de l'émission, on était en train de se faire un petit quiz entre nous sur citer tous les gardiens chauves passés par l'AS Saint-Etienne. Si vous avez envie de jouer dans le chat, n'hésitez pas, vous allez voir, il y en a un sacré nombre. Allez, c'est parti, on commence avec le débrief du match. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors ce week-end, on était face à l'AC Ajaccio, un match qui s'est soldé par un 0-0 bien soporifique, comme on a pu le dire juste avant. Messieurs, une chose que vous avez aimée et une chose que vous n'avez pas aimée ce week-end, Martin, je commence avec toi. Je vais pas être giga original. Je me suis forcé à dire voilà autre chose que ce que je vais dire là, mais en fait, pour moi, la seule satisfaction, ça reste quand même. Alors au-delà du fait que Saint-Etienne ne prenne plus de buts, je trouve que surtout c'est une équipe qui concède moins d'occasions. Donc ça, ouais. Ça c'est hyper important parce que la défense de manière générale. Voilà. Et après, ce que j'ai aimé, franchement, enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est le manque de folie, c'est le manque d'audace, le manque d'imagination, le manque de tout ça, le manque de.
Lâchez-vous, quoi, un moment. Ouais. Voilà, t'es cinquième, tu reçois Ajaccio, tu joues la montée, et bah vas-y, lâche les chevaux. Parce que si tu lâches pas les chevaux, tu risques d'avoir des regrets à la fin, et c'est ce qu'il y a eu samedi. Tout à fait, Lionel Charbonnier serait d'accord avec toi, lâche les chevaux. Et Florent Tardieu aussi l'a dit en déclaration d'après-match que c'était ce qui avait manqué à l'équipe de se libérer, de se lâcher un peu plus, surtout à domicile. Antoine, un point positif, un point négatif à retenir de ce week-end? Eh ben, le point positif pour pas trop copier Martin, je dirais là, un bon petit match de Larsonneur qui nous a rassurés, encore une fois, il continue sur cette série. Il est dans une très bonne forme en ce moment, il prend pas de but, il est en pleine confiance. Donc voilà, ça c'est vraiment un point positif. Et le point négatif, il y a pas d'envie offensive, j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas envie de se projeter, il y a très peu de soutien sur les phases offensives, on a très peu de joueurs qui dépassent les fonctions. Dès que Charbonnier désaxe un petit peu, ou que Sissoko désaxe un petit peu dans ce match-là, et ben, il n'y a plus personne dans la surface de réparation, il n'y en a aucun qui prend l'initiative de se dire, eh ben, tiens, mon numéro 9 a décroché, je vais aller apporter un peu plus de poids. Et voilà, donc ce manque d'initiative collective. Ok, alors dans le chat, il y a Karl qui vous a fait un petit sondage. Que retenir de cette ASSE Ajaccio? N'hésitez pas à voter là-dessus. On va revenir un petit peu sur le 11 de départ qui a été aligné par Christophe Galtier, j'ai failli dire, oula la fatigue, par Laurent Batless. On a une stabilité d'équipe qui est en train de se dégager un petit peu, avec un système aussi qui est en train de se dégager avec ce 4-3-3. Est-ce que pour vous, on commence à voir une équipe type ou est-ce qu'on est toujours sur du tâtonnage pour l'instant? Non, là clairement c'est une équipe type. Enfin, les quatre de derrière, moi, ils me semblent aujourd'hui bien ancrés dans leur poste, que ce soit Petro ou Appia sur les côtés, la charnière Batsoubintsik à Briançon. Après Diarra s'est blessé, donc à voir, voilà comment ça va évoluer tout ça. Mais pour moi, ça ressemble quand même à une équipe type. C'est avec cette équipe-là que plus ou moins tu t'es extirpé du bas du classement et que tu as trouvé une régularité et une solidité, surtout une solidité. Ouais. Et aujourd'hui, c'est normal de récompenser ces mecs-là et c'est normal de garder cette dynamique-là avec ces mecs-là. Enfin, ce serait incompréhensible de. Alors, à la marge, changer à la marge, pourquoi pas, mais là, en tout cas, tu as une ossature qui est claire et nette pour le moment, quoi. Antoine, t'es d'accord? On arrive sur une équipe type petit à petit? Sur les forces vives, sur les forces en présence, oui. Après, on risque d'avoir. C'est aussi une équipe type par défaut, parce que beaucoup de joueurs qu'on peut voir sur le banc qui rentrent, je pense notamment à Lobry et Charbonnier dans le secteur offensif, apportent quasiment rien, si ce n'est le néant. Une équipe type qui sera peut-être remise en question aussi avec le retour de Wadji, une fois qu'il sera disponible. À voir comment Laurent Batless souhaite à nouveau l'intégrer dans ce 11 de départ. Est-ce qu'il voudra changer de dispositif? Est-ce qu'il voudra conserver ce dispositif-là? Mais oui, en l'état, c'est l'équipe type. Il n'y a pas de débat, il n'y a quasiment pas de débat sur aucun poste, à part peut-être un Mouefek qui entre dans la balance avec un fond bas qui n'a pas été très bon ce week-end, même si globalement ça n'a pas été très bien, mais dans l'ensemble, cette équipe, oui, c'est l'équipe type du moment. Ok. Karl, ton petit sondage, ça a donné quoi? Écoute, c'est divisé. Il y a ceux qui préfèrent retenir le positif, à savoir la poursuite de la série d'invincibilité, qui remonte à 8 matchs maintenant, je crois. Ouais. Et puis il y a ceux qui retiennent plutôt le néant proposé dans le jeu. Et comme Martin en a parlé. Après, je vais prendre des commentaires dans le chat. Il y a un problème, c'est qu'on nous dit plutôt que le problème est plutôt offensif aujourd'hui, contrairement à la saison passée où c'était plutôt défensif. L'absence de Bouchouari contre Laval va être terrible parce qu'on rappelle qu'il a reçu un troisième carton jaune contre Ajaccio. Tout à fait. Une pure complète ce match avec une grosse faiblesse offensive pour Piatta le Breton. À l'inverse, il y a Space 38 qui nous dit que ne pas prendre de but est déjà un gros point positif. Il y a El Cato qui pose la question. Bouchouari qui vient chercher les ballons aux 20 mètres. Tardieu et Fombas servent à quoi dans cette équipe? Enfin voilà. Et après, il y a ceux qui jouent les tacticiens et qui proposent déjà des modifications dans le système pour le prochain match contre Laval. Voilà.
Bah, on va en parler justement un petit peu, revenir sur les individualités. Vous avez évoqué, Antoine, tu parlais du retour de Wadji. Martin, tu parlais de l'absence de Diarra là, pour les prochaines semaines. On rappelle qu'il s'est blessé, a priori, une lésion aux adducteurs, donc ça devrait durer un petit moment. Justement, Antoine, tu disais un truc intéressant, c'est avec le retour de Wadji, effectivement, est-ce que, selon toi, Martin, on resterait dans ce même système avec Wadji qui rentrerait simplement dans la rotation avec Sissoko et Charbonnier, ou est-ce que on verrait une équipe avec deux attaquants sur avec un 4-4-2, ou avec un autre système proposé, une autre animation? Alors, on entend tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire attaque poussive, machin, machin, mais en fait, moi j'ai suffisamment dit ici que Saint-Étienne se faisait trop perforer, que c'était une équipe qui partait trop à l'abordage, qu'on était dans un système avec des pistons alors qu'il n'y avait pas de pistons dans l'effectif. Pour aujourd'hui, ne pas saluer le revirement de Laurent Batless dans ce 4-3-3. Que je trouve plus cohérent, que je trouve plus solide. Alors après, t'as rien sans rien, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, je pense, manque effectivement un petit peu de talent et d'imagination, mais au moins, c'est une équipe aujourd'hui qui a une assise défensive solide. Est-ce qu'il faut changer de nouveau de système parce que Wadji arrive? Vous l'aurez compris, je pense pas du tout. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans une rotation avec Sissoko et Charbonnier? À voir si. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt un joueur d'axe. Sissoko, c'est carrément un joueur d'axe. Charbonnier, c'est aussi un joueur d'axe. C'est que là, dans ce système-là, il n'y a qu'une pointe. Et donc, C'est vrai qu'on voit, une on place voit mal un pour des Wadji prendre ou un des trois que tu viens de citer prendre la place de Diarra, par exemple. Bah non, c'est pas du tout le profil. Mais c'est pas parce que Wadji revient qu'il faut détruire tout ce que tu avais fait jusque-là. C'est quand même une équipe qui a pris énormément de points. C'est une équipe qui s'est relancée dans la course au maintien alors qu'il y a un mois, on les pensait encore voués à une saison dégueulasse en seconde partie de tableau. Donc je ne pense pas qu'il faille absolument tout changer. De nouveau se dire, là, il nous faut des attaquants parce qu'on ne marque pas un but. Appuyons-nous sur ce qui marche. Et ce qui marche, c'est la défense, c'est le milieu. Et construisons à partir de ça, quoi. Et puis surtout, moi, je Et veux juste rajouter, en parlant de Wadji, que plus les semaines passent et plus Laurent Batless est frileux à ce sujet-là. Et il repousse un peu chaque semaine l'échéance, parce que là, le retour était certain pour Laval. Et avant d'affronter Ajaccio, en conférence de presse, c'était plus du tout le même ton. Et je cite Laurent Batless qui disait: Ibrahim Wadji est encore en réathlétisation. Au mieux, on le reverra pour Laval. On ne peut pas trop anticiper la chose. On ne sait pas vraiment où on en est. Enfin, on sait où on en est, mais ce sera la sensation par rapport à la blessure. Donc, en fait, c'est peut-être sûrement peut-être pas encore à l'heure du jour le retour d'Ibrahima Wadji dans l'équation. oui, surtout qu'il revient d'une longue blessure en plus, donc il faudra aussi, il sera pas à 100% dès le premier match, quoi. Après, il faut se souvenir que c'était quand même un joueur important. C'est un joueur qui marque beaucoup. Et donc, c'est un joueur sur lequel il faudra s'appuyer. Je veux pas faire croire que ce que j'ai dit avant, c'est il faut oublier Wadji. Voilà, on a progressé sans lui. Non, c'est un joueur important. Mais c'est à Laurent Batless de lui trouver une place dans ce nouveau système-là. Antoine? Et en plus, ça nous permettra d'offrir une solution de jeu carrément différente d'un Sissoko qui joue beaucoup en remise, qui est un joueur sinon de surface. Avec Wadji, on va avoir un nouveau joueur de profondeur face à des équipes qui vont plus jouer au ballon face à nous. Je pense notamment à Caen, c'est un joueur qui peut être intéressant parce qu'on va pouvoir plus prendre la profondeur. Alors que face à des équipes en bloc bas, un Sissoko il serait plus intéressant. Voilà, il faut pas se. Il, voilà, c'est pas. Je suis assez d'accord avec Martin sur le fait qu'on n'est pas obligé de changer de système et il ne faut pas forcer le changement de système. On a la chance maintenant, on va avoir la chance dans quelques semaines d'avoir un joueur qui a des capacités complètement différentes de Charbonnier, complètement différentes de Sissoko. On devrait plutôt être content pour dire, ok, on n'arrive pas à trouver la solution offensive actuellement, c'est un peu compliqué. On va pouvoir voir aussi ce que ça donne avec un Wadji dans l'axe et un Sissoko qui entre à la 60e ou à l'inverse, un Wadji qui rentre face à une défense un petit peu fatiguée de la rencontre. Ouais, on aura du choix, quoi. Aujourd'hui, on peut aussi constater que Charbonnier, il n'est pas au niveau auquel il était avant sa blessure. Voilà qu'il a du mal, que même quand on lui offre beaucoup de temps de jeu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le retour programmé de Wadji, alors dans une, deux, trois ou je ne sais pas combien de semaines, mais en tout cas, ça peut permettre aussi d'être, voilà exactement ce que disait Antoine, d'avoir plus de possibilités tactiquement et ça peut être un vrai plus.
Et justement, on évoquait le cas Diarra aussi, qui s'était malgré tout assez vite imposé, même s'il y a un manque de stats pour l'instant. Par qui on le remplacerait si on le remplace purement numériquement dans l'équipe? C'est une bonne question. Alors moi déjà Diarra vraiment c'est une recrue que j'aime beaucoup. Alors oui il fait pas de stats mais je trouve qu'il fait beaucoup de différence et je trouve qu'il est très fin techniquement et surtout alors il apporte de la profondeur, il apporte de la vitesse et je pense que son absence elle va faire mal dans une attaque qui est déjà amorphe même avec lui. Donc sans lui après ouais Ben Taïg mais c'était pas convaincant à ce poste-là. Lobry, c'est Il pas reste un contrôle Rivera, par pur. exemple. Pardon? Le seul qui peut rester potentiellement sur un côté, c'est Rivera. Et Rivera, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, mais pour autant, les dernières apparitions n'ont pas été très rassurantes non plus. Non, je me souviens d'un match où il avait joué piston, c'était pas si mal, mais de toute façon, Rivera, il a du mal à se faire une place et ça date pas de ce début de saison. Donc, effectivement, il n'y a que lui qui a un peu le profil joueur de rupture, joueur de. Il a quel âge maintenant, Maxence Rivera? De provocation, À 21 ans. Rivera. 21. 21 ans. Elle est 2002, ouais. Et bon, effectivement, c'est passer de Diarra à Rivera, tu perds en qualité quand même. Hein. Ouais. Karl, sur le Oh. cas Wadji qu'on a évoqué juste avant, qu'en pense le chat? Dans le chat, il y a quand même pas mal de partisans d'un changement de système pour passer à deux devant, contrairement Ah ouais. à l'avis des chroniqueurs. Il y a ceux sinon qui sont plus catégoriques, qui disent que le mercato va être primordial offensivement, dans le secteur offensif en tout cas. Je me fais je j'ai vu Cafarro à droite s'est fait blard face à des costauds, donc ça parle de tout le secteur offensif, hein. Personnellement, je trouve que Wadji manque énormément dans l'attaque stéphanoise, vivement le retour pour Céline. Tu peux pas faire tourner quand les remplaçants ne sont pas bons pour jouer 42. Il faut absolument un meneur de jeu pour intégrer le milieu de terrain à 3 avec Tardieu et Bouchouari. Avec la blessure de Diarra, on a tout intérêt à changer de système et à passer à deux attaquants pour Dieppe 01-42. Voilà. Ok. Martin, tu disais dès le début de l'émission que ce que tu appréciais, c'était la solidité défensive retrouvée. Bon, il y a eu certes le changement de système qui a aidé, mais il y a aussi, mine de rien, petit à petit, l'oiseau fait son nid, Dylan Batoubensika qui s'impose en titulaire indiscutable de cette équipe. Il est avec l'Arseneur le joueur le plus utilisé depuis le début de saison. Est-ce que vous aussi, vous commencez à avoir pas mal de certitudes sur le niveau affiché par Batoubensika. Antoine, t'en penses quoi de son début de saison? Bah, je me rappelle avoir déjà abordé un petit peu son sujet dans un des premiers CNC de la saison et Ouais. il m'avait déjà premièrement convaincu sur ses apparitions. Et là, ça se confirme. À 27 ans, c'est un joueur qui semble mûr dans son jeu. Il est sûr de sa force. Il a une vraie lecture des attaques adverses. Et surtout, il y a ce duo avec Briançon qui marche. C'est pas un joueur qui est fait pour défendre dans une défense à 3. Ça, on l'a vu. Bizarrement, quand on le met dans une défense à 2 où il est plus à l'aise, comme Anthony Briançon, où il est plus à l'aise, et ben les deux arrivent à s'entendre. Les deux, il y a un petit peu le good cop bad cop où on a Briançon qui est là pour mettre des coups, Batoubensika qui est plus dans l'anticipation, dans la lecture du jeu, et les deux arrivent à mettre les qualités de l'autre en avant. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est une des vraies satisfactions de ce mercato l'été, son installation, et elle ne fait plus aucun doute maintenant que c'est vraiment un des jolis coups de cet été. Martin, ouais, t'es d'accord avec cette analyse sur Dylan Batwinsika? Ouais, moi ce que j'aime, c'est j'ai souvent dit que ce qui manquait à l'équipe de Laurent Batless l'année dernière, c'était de la puissance, de la densité physique. Et lui, il amène vraiment ce truc-là. Il est dissuasif. Et c'est ce qui manquait dans cette équipe. Elle manquait de dissuasion. C'est-à-dire que c'était facile de percer les lignes, c'était facile de se créer des occasions. Et avec lui, bah, c'est un peu plus difficile. Moi, je trouve que la charnière manque quand même un peu parfois, même souvent, de vitesse, de vivacité, et même avec Petro à gauche. Voilà, je trouve que si on devait chercher la petite bête, parce que là, ils se prennent pas de but. Oui, Donc c'est là-dessus qu'il faut les c'est ce qu'on demande à des juger. défenseurs, hein, quelque part. Exactement, mais je trouve quand même que voilà, que c'est
Ça traîne un peu quelques tracteurs. Mais malgré tout, voilà, c'est une défense qui se fait respecter aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui manquait dans cette équipe de Batless. Alors, c'est un point, pour moi, c'est un point essentiel. Et puis, effectivement, t'appuies aussi sur un super gardien. Et quand tu as un gardien, bah, ça change tout, quoi. Ouais. Oui, Larssoner qui fait un sacré début de saison aussi. Le Ouais, et seul petit puis. truc sur Batumetica, c'est qu'on aimerait le voir un petit peu plus présent sur les coups de pied arrêtés offensifs. C'est un petit peu dommage, il mesure 1,85 m ou 6, et on a du mal à le trouver. Ça serait quand même bien sympa d'avoir un défenseur central qui amène du poids dans la surface adverse. Vu le faible nombre d'occasions qu'on se crée, si on pouvait s'en créer sur les coups de pied arrêtés, ça serait bien. Oui, après, c'est pas forcément nécessaire, hein. Si Mathieu Cafaro les met tous en Oui, en direct. lunettes. Moi, je peux jouer à ce moment-là sur les coups de pied arrêtés offensifs, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, oui, je vois Romain dans le chat qui nous dit que Dian Batoubensika, c'est la dernière recrue signée de Souza avant qu'il parte du club, donc de Souza, ancien recruteur pour Saint-Étienne. Ça parle aussi un petit peu de Tardieu, je vois dans le chat. J'aimerais bien aussi qu'on s'arrête un petit peu sur le début de saison de Florent Tardieu, alors qu'il n'est pas arrivé au tout début de la saison, mais qui a quand même déjà eu l'occasion de faire quelques matchs titulaires. Est-ce que vous voyez vraiment la plus-value qu'apporte Florent Tardieu? Je sais que c'est un cas qui divise beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont pleinement convaincus par son apport et d'autres qui peinent encore à voir ce qu'il apporte à l'effectif. Qu'est-ce que vous pensez du cas Tardieu pour le moment? Je le trouve trop. J'ai un peu de mal. Je suis pas forcément de ceux qui encensent ses performances pour Ok. l'instant. Il est trop emprunté. Il se projette très peu vers l'avant. Il prend beaucoup de risques. Il paraît nonchalant par moment. Et au poste où il est, la nonchalance, elle peut se payer cher. On Est-ce qu'il peut est y voir une plus certaine nonchalant fragilité. que mon conduit au même poste? Ça c'est encore un autre débat, ça. Mais oui, enfin, moi j'aimerais qu'il amène un peu plus d'impact, qu'il amène un peu plus d'envie, et c'est pas le cas pour l'instant. Ouais. On sait que c'est un bon joueur ballon, on sait que c'est un joueur qui a eu l'habitude de jouer un peu plus haut sur le terrain aussi avec Laurent Batless. Là, il est dans un rôle différent, il est un petit peu plus bas. Avec sa maturité, il pourrait normalement prouver qu'il est capable de jouer dans ce rôle-là, mais ça manque de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il s'épanouisse à 200% dans ce rôle-là. C'est peut-être pour ça qu'il montre pas son meilleur visage. Ça reste encore un petit peu ronronnant. Bah oui, il y a un petit peu de stabilité, il y a un petit peu de stabilité sur les relances, mais c'est trop peu pour un joueur qui était censé nous faire progresser ballon au pied, nous censé nous faire casser des lignes. Je reste vraiment sur ma faim. Ok, Martin, t'es d'accord avec Antoine? Alors oui, je Mais. suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement. Ouais, moi aussi je reste sur ma faim parce qu'on a vu des choses de Florian Tardieu en Ligue 1, notamment je me souviens d'un match face au PSG, hein, si mes souvenirs sont bons, où c'était vraiment c'était un show quoi, il régalait techniquement au-dessus de tout le monde. Et là effectivement il est alors il est après il faut quand même pas oublier que il est arrivé dans le 11 et il y a quand même eu une incidence directe au niveau des résultats. Et je pense qu'il, malgré tout, qu'il stabilise quelque chose. Je pense qu'il rassure aussi. Et dans la première relance, c'est quand même bien de l'avoir. Mais moi, j'ai le souvenir effectivement d'un Troyen, quand il jouait à 3, où il proposait beaucoup plus de choses et il faisait plus de décisions. Donc moi, c'est là où je l'attends. Alors effectivement, il est plus bas, il est dans un rôle comme ça devant la défense où il a peut-être un peu moins de liberté. Mais malgré tout, vu ce qu'on avait en magasin jusqu'ici, je me dis que c'est là quand même la moins mauvaise des solutions. Et encore une fois, les résultats parlent pour lui, quoi. Ouais. Oui, donc on est sur une satisfaction, mais on espérait quand même un peu plus. Karl, les gens sont du même avis dans le chat ou il y a la même contradiction qu'on peut Il y a un peu, il y avoir a... entre les supporters? Il y a un peu de scepticisme à l'égard de Tardieu, sauf Romain, Ok. Romain de Peuple Vert, qui nous dit si tu veux voir ce que Tardieu apporte, il ne faut pas regarder que le ballon, 12 bornes par match, Comment il se la ça pète? change. Comment il se la pète, Romain? C'est terrible. 12 bornes par match, ça change de mon conduit. Il rappelle également que c'est un mec qui n'a pas joué de janvier à septembre, dû à une longue blessure à la cheville.
Au-delà du terrain, il est ultra important dans le groupe, un vrai mec d'équipe. Vous l'aurez compris, je suis aucunement objectif. Et du coup, du côté pas des opposants, mais des sceptiques, il y a Leïla qui nous dit qu'elle trouve que Tardieu et Bouchouari, ça ne fonctionne pas au milieu. Il y a David, à l'inverse, qui nous pose la question en disant, il me semble que la défense est plus sereine depuis que Tardieu est là. Je ne sais pas si c'est un rapport avec un emoji de plein de réflexions. Tardieu, c'est une machine à laver. Il rend les ballons plus intéressants pour Jeff. Tardieu, c'est un leader. Il a de la personnalité, du charisme. Enfin, là, petit à petit, je crois que Romain est en train de convertir le chat parce qu'il y a de plus en plus de messages optimistes vis-à-vis de lui et de son retour en forme progressif. Faudra qu'on l'invite dans l'émission un jour en tant qu'influenceur stéphanois, ça pourrait le faire. On va aborder un dernier cas individuel et puis après on parlera de manière un petit peu plus générale. J'aimerais bien qu'on revienne sur le cas Lamine Fomba sur ce début de saison parce que dans l'équipe type qui est en train de se dessiner, comme on l'a dit juste avant, le milieu est donc composé de Tardieu et Bouchouari. A priori, ça pour l'instant, ça a l'air indéboulonnable. Mais Fomba pourrait éventuellement être remis en cause pour faire rentrer Mouéfek, pour faire rentrer éventuellement Lobry ou Chambaud qui rentrent sur les fins de match. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la place de Fomba dans cet effectif? Moi, Fomba, pour moi, c'est clair et net, mais je le dis depuis le début, il faut qu'il soit dans le 11. Parce que je parlais de dissuasion tout à l'heure avec Batsou Minsika ou Briançon. Fomba aussi, il fait partie de cette force de dissuasion-là. Chambaud, ça joue trop, Lobry, ça joue trop. Il faut pas des mecs comme ça. Enfin, on a suffisamment vu l'an dernier qu'avec un milieu Bouchouari, Chambaud, Lobry, tes mecs-là, je remets pas en cause leur talent, mais. À un moment, il te faut des mecs quand même qui mettent le pied. À un moment, il te faut des mecs qui vont au duel, qui remportent ces duels. Bah, alors, c'est sûr qu'il manque de régularité encore. C'est pas. Voilà. Mais il serait peut-être pas ici s'il n'était pas irrégulier, Lamine Fomba. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je trouve que, justement, il faut lui donner de la confiance, il faut l'installer. Et on le jugera à la fin de saison. Moi, je trouve que vraiment, c'est un mec indispensable au vert aujourd'hui. Indispensable, carrément. Antoine, t'es Ouais, d'accord? vraiment. Bah, je vais plutôt adouber dans le sens de Martin. Faut se rappeler que c'était quand même un sacré prospect à son début de carrière, Lamine Fomba, qui avait beaucoup, beaucoup de clubs qui le suivaient de près. Quand Il il était a à eu un Lille? petit peu de mal. Il a eu du mal un petit peu à se développer, etc. Même quand il était à Auxerre avant, chez les jeunes, il était déjà très suivi. Il a eu du mal à se développer, voilà. Mais on a vu qu'il était capable de faire très bonnes choses. Je vois ce match face à Caen, où c'est lui qui va chercher le penalty. Il a cette capacité à se projeter ballon au pied. On voit qu'il est très habile techniquement. Il a une dimension physique que n'a pas un Benjamin Bouchouari, par exemple. Benjamin Bouchouari qui fait un peu pile électrique par moment. On a presque l'impression que Fomba, c'est un vieux sage qui essaie de calmer le jeu. Par contre, je le sens trop léger sur 90 minutes. On a l'impression qu'il n'est pas capable de tenir 90 minutes dans une certaine intensité. Et même des fois, on a un peu l'impression qu'au bout de 45 minutes, il tire un peu la langue. Et c'est dommage pour un joueur qui est censé avoir ce volume physique-là, qui est censé pouvoir enchaîner les efforts, qui est censé pouvoir boucher les trous à la fois offensif et défensif, dans ce rôle un petit peu de milieu presque box-to-box. Ça en manque un petit peu. Mais c'est vrai qu'il est tellement capable d'apporter des choses à cette équipe-là qu'il en devient quasiment indispensable, surtout dans ce 4-3-3 où les milieux de terrain doivent venir apporter de l'aide en défense, doivent venir se projeter, peuvent décrocher aussi sur les côtés pour apporter du soutien avec les ailiers. Voilà, il est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça en pense de Fomba dans le chat, Karl? Bah là aussi, c'est divisé sur son cas. Il y a David Lanco qui nous dit Fomba, je ne sais pas quoi en penser, capable du meilleur comme du pire. Il y a ici qui nous dit bon, il est nul, sans argument, mais comme ça. Il y a Romain qui nous dit Fomba, c'est physique, mais brouillon, comme Mouéfec. C'est la moins pire des solutions pour l'instant. Pour la Ligue 2, il faut des profils comme ça. Et ici qui nous dit le point positif, c'est que quand il est titulaire, il fait ce qu'il peut, et quand il sort, on est meilleur. Bon, d'accord. Moi, je l'aime bien. Lamine Fomba, c'est le nouveau KMP pour Leïla. J'ai l'impression que Fomba ne sait pas où se mettre dans ce milieu à 3. Un match, il joue trop. L'autre match, il joue en défense. Presque, ça ne va pas techniquement. La doléance de Romain est la suivante. Faut qu'il se projette plus parce que là, parce que ça passera par là si on veut être plus attrayant offensivement. Idem pour Bouchouari. Elkato au contraire qui nous dit que Fomba est trop haut sur le terrain, il ne sait pas faire une passe. Bon, il y a un peu tout et son contraire dans le chat, mais en tout cas, ça divise et ça fait parler.
Ok. Bon, et ben écoutez, je pense que sur les cas individuels, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais aborder. Par contre, il reste un cas individuel quand même plutôt important dans une équipe de football. C'est le cas de l'entraîneur Laurent Batless, qui était quand même pas mal décrié en début de saison. Pour l'instant, il est toujours en poste. Avec cette série, évidemment, il est plus trop menacé. Est-ce que selon vous, Laurent Batless, est-ce qu'il pourrait faire plus avec cet effectif? Non. Franchement, en fait, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà, moi, je le prenais pour un entraîneur dogmatique, enfin, je le croyais, entraîneur dogmatique, incapable de, de sortir de ses schémas, et là, il nous prouve qu'il peut faire une équipe de guerriers, qu'il peut faire une équipe qui encaisse pas de but, alors qu'il est. Laurent Batless, on l'a pris pour faire du jeu, pour etc. Donc, déjà, chapeau à lui de s'être remis en question. Et aujourd'hui, il fait avec ce qu'il a sous la main. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'était un effectif. Et bon, voilà, il n'y a pas besoin non plus de sortir Saint-Cyr pour s'en rendre compte qu'il manque un peu de talent offensif. Et donc, voilà, on fait une ligne de 7 avec des mecs qui mettent le pied. Et après, on croise les doigts, on essaye de mettre un ballon sur la tête de Sissoko, quoi. Et on lit. Non, mais en schématisant, c'est un peu ça. Et en Ligue 2, honnêtement, enfin, ça peut passer comme ça. Donc, Saint-Étienne n'a pas les moyens de faire mieux, je pense. Alors, je lis toutes les critiques. Moi aussi, je me fais littéralement chier devant les matchs des Verts depuis le début de la saison. Mais bon, Saint-Étienne est cinquième. Saint-Étienne joue la montée. Et c'est pas loin d'être un petit miracle quand même. Donc, autant on pouvait lui imputer le fait d'avoir mal démarré la saison, de jouer dans un système avec deux pistons alors qu'il n'y avait pas de pistons, autant il faut aussi saluer son revirement. Et si Saint-Étienne aujourd'hui relève la tête, c'est beaucoup grâce à lui quand même. Antoine? C'est vrai, parce que mine de rien, on a eu un débat en début d'émission sur est-ce que c'est le 11 type de Laurent Batless? Est-ce que là on est en train de voir 11 types, on était plutôt d'accord pour dire que c'était un 11 type. Et après on a pris les joueurs un petit peu cas par cas, on a dit Fonba c'est bien mais ça pourrait faire mieux, Tardieu c'est bien mais ça pourrait faire mieux, Batoubizika, Briançon c'est bien, on n'a pas mieux actuellement en stock, il manque peut-être un petit peu de vitesse en défense, là on a Diarra qui apporte de la percussion mais si derrière lui il n'y a personne, on sait pas trop comment on va faire et mine de rien, il a réussi à trouver une formule qui fonctionne comme le disait Martin, et quand on regarde ce qu'il y a après sur le banc des remplaçants, les changements, il n'y a pas Ah oui. un effectif infini. Il y a très peu de mecs qui ont prouvé qu'ils étaient capables de venir faire des différences et de venir déranger ce 11. Je pense à Lobry, je pense à Chambaud, je pense à Rivera qui n'a pas beaucoup joué, Charbonnier qui a joué mais qui n'a pas été très bon. Derrière, c'est le néant hein, parce que c'est Michael Nadé le seul défenseur central. Derrière Denis Appiah, on n'a personne. Donc voilà, Laurent Batless, il a réussi à constituer son 11 type, il a réussi à amener des résultats, il a réussi à amener de la stabilité. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. L'année dernière, à ce moment-là de la saison, on était dernier de Ligue 2, on savait pas où on allait, et il Tout à s'était fait. peut-être pas encore complètement remis en question. Là, il s'est remis en question plus rapidement que l'an dernier, ça on peut le saluer. Oui, on se fait chier, c'est sûr, devant les matchs, on s'ennuie, c'est pas excitant, on a rien, mais l'année dernière, avant d'être excité, on avait attendu le mois de janvier ou février. Donc voilà, maintenant on va dire, on n'est pas excité par ce que fait la SS, mais la SS est cinquième, la SS joue la montée. Et puis t'as plus Nkunku et Crasso. Il te manque tes deux mecs qui t'allumaient Les pitons. l'étincelle. Qui t'allumait l'étincelle l'an dernier. Donc, t'as pas ces mecs-là. Sissoko, c'est pas du tout ce profil-là. Lui, il est dans un pur rôle de finisseur. Mais enfin, bon, si les ballons lui viennent pas, il risque pas de faire grand-chose. Donc voilà, t'es dépendant. En fait, devant, t'es dépendant de l'état de forme de Cafaro, de l'état de forme de Diarra. Donc, ça, c'est un peu léger, quoi. Alors là, ouais, Wadji va revenir. Mais Wadji, c'est pareil. Il faut lui mettre des ballons. Qui aujourd'hui, est capable de donner des bons ballons à ces mecs-là? Pas Bouchoirie. 50. Bon. Ouais, Bouchoirie, mais Bouchoirie, c'est pareil. Bouchoirie, c'est aussi super inconstant. Super inconstant. On est de toute façon sur un effectif hyper inconstant et malgré tout, il y a de la constance dans le résultat. Donc, alors, il y a un petit peu de réussite, je pense, parce qu'il y a assez peu de matchs dominés, il y a assez peu de. Mais ça avance. Ça avance. Et en Ligue 2, sur un malentendu, voilà, ça peut passer, hein. Ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à certains joueurs, il s'est pas caché derrière le troisième match en une semaine au niveau de la fatigue. Il l'avait dit, hein, on était encore bien en fin de match. Voilà, ça aussi, c'est une preuve que lui, il disait, on était bien, j'en attendais plus de mes joueurs, j'attendais plus d'intensité, je suis persuadé qu'ils étaient capables d'en faire plus. C'est aussi une preuve de. Il se cache pas derrière des pseudo-excuses de on n'arrive pas, on est crevé, on n'y arrive pas, alors que tout le monde est dans les mêmes situations.
Karl, j'imagine que au-delà de Joss Randall qui fait des jeux de mots dans le chat, bien sûr, j'imagine que le cas Batless fait pas mal parler. Oui, évidemment, il fait parler, mais il y a un peu d'indulgence à son égard, et il y a pas mal de gens qui reconnaissent qu'au final, même si ça a été un peu contraint et un peu long, il a su faire une introspection et changer de système et de céder son, de troquer son système de jeu fétiche, pardon, pour un peu plus de pragmatisme. Et je me permets de te couper, Karl, pardon. Batless, il disait aussi, bon, comme beaucoup de coachs, hein, mais que on pourrait vraiment commencer à juger l'équipe à partir du moment où le mercato estival serait terminé. Et c'est vrai que mine de rien, depuis que le mercato estival est terminé, ça se passe mieux pour Saint-Étienne. Ouais, il y a le cadeau qui nous dit Batless, non, il ne peut pas faire plus avec cet effectif, même si je ne suis pas dingo de cet entraîneur. Pour moi, on va droit dans le mur avec ce gars, ça manque de dynamisme. Batless fait déjà au mieux. Quand tu n'as pas de joueurs compétents pour créer du jeu, il ne peut pas le faire à leur place. Le point positif, c'est la stabilité défensive. Batless, il fait avec ce qu'il a sous la main, mais c'est quand même lui qui a voulu ses joueurs. Non, c'est Dauphino qui pose la question. Pas le premier coupable pour moi, il compose avec le travail insuffisant des dirigeants, pour autant il va falloir continuer à progresser pour Romain. Il a laissé ce 71 qui nous dit je vois jamais de Batless gueuler sur ses joueurs, il râle seulement sur l'arbitre ou le quatrième aussi. Donc ça c'est de l'analyse des comportements sur le bord du terrain. Lolo qui nous dit franchement l'année dernière on a marqué énormément de buts, on avait du jeu mais on a pris énormément de buts également, et cette année on prend moins de buts, on en marque moins. Mais au classement, on est mieux, donc il faut laisser Laurent bosser de toute façon. Regardez où est en est Bordeaux avec son coach Guillon, par exemple. Avec son ex-coach Guillon, d'ailleurs, si vous avez pas suivi l'actu, il a été remercié ce week-end. Oui, et ben, comme on est plusieurs à le souligner, effectivement, Saint-Étienne, là, actuellement, même si c'est pas forcément très excitant, est cinquième du classement, on est dans le bon wagon. Est-ce que pour vous, Saint-Étienne est à sa place, là, à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on peut viser plus haut, ou au contraire, comment dire? Est-ce qu'il faut plutôt regarder en haut ou en bas après la trêve, selon vous? Antoine, t'en penses quoi? Bah, il faut forcément regarder plus haut quand on vise le maintien, on va On pas est se d'accord. contenter de regarder ce qu'il y a derrière nous. Il Quand on y a un vise la petit trou montée, tu qui veux s'est fait dire. déjà. Exactement, pardon, c'est une mauvaise habitude. quand on regarde le classement, il y a déjà un petit trou qui s'est fait avec Guingamp qui a 15 points, nous on a 18 points. Devant, il y a Auxerre qui a les 3 points d'écart. On a à peu près à notre place, on a vu qu'il y avait des équipes qui jouaient mieux au football. Je pense à Angers qui a fait encore une très belle démonstration récemment. Derrière, il y a des équipes qui jouent un peu moins bien au football. Nous, on joue pas très bien au football, mais on est très réaliste, on prend pas de but. Donc voilà, on est à notre place. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça va être compliqué pour l'instant. Bah, Laval est déjà parti très fort. Il y a 7 ou 8 points d'écart. Et on est confortablement installé pour l'instant à cette place de cinquième. On va pas bouder notre plaisir de vivre une saison où on regarde plutôt devant que derrière. Faut voir si Laurent Batless arrive à trouver des clés, comme on le disait. Hein, pour l'instant, les clés, il a trouvé les clés de la solidité défensive. Faut qu'il trouve maintenant les clés de la solidité offensive pour espérer viser plus haut. Mais oui, je pense qu'actuellement, on est à notre place. On a beau avoir beaucoup de critiques sur le fond de jeu, mine de rien, c'est pas forcément les équipes qui jouent mieux au football qui montent en Ligue 1. Moi, ça me dérange pas si on joue comme ça toute la saison et qu'on finit deuxième et qu'on monte en Ligue 1. Ouais, sur le fond de jeu et sur fond bas d'ailleurs. Antoine, t'es d'accord avec Antoine, faut regarder vers le haut. Alors, Martin, peut-être, parce que Martin, je oui, pense pardon. qu'Antoine est d'accord avec Antoine. Excuse-moi. Non. Moi, je dirais que ça, le classement, c'est un peu heureux, là, parce que quand tu prends les matchs dans leur intégralité, je pense à la victoire à Caen, je pense à la victoire à Troyes, c'est un peu heureux. C'est-à-dire que. La pièce est tombée du bon côté souvent ces dernières semaines et je me dis que cette cinquième place, voilà, elle est généreuse, on va dire. Elle est généreuse. Après, on est dans un championnat, la Ligue 2, qui historiquement, c'est quand même les saisons comme ça se joue à. Enfin voilà, les équipes se tiennent. T'as rarement. Ouais, c'est homogène. Alors, t'as. Ouais, c'est hyper homogène, c'est super homogène. Ça ne veut pas dire que Saint-Étienne, pour moi, ne peut pas jouer la montée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder en haut. Je dis simplement que, voilà, cette cinquième place est un petit peu heureuse. Mais c'est bien parce que ça donne de la dynamique et ça donne de la confiance. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut enclencher. C'est-à-dire quand t'as, le football, c'est toujours pareil, hein.
c'est 50% à la confiance quand même. Donc c'est maintenant que cet effectif doit prouver qu'il est bâti pour une montée en Ligue 1. J'en suis pas encore convaincu à 800%, mais je demande qu'à l'être. Messieurs, on a un nouveau petit jingle dans l'émission, et c'est très bien parce que on va faire un petit tour des stades de Ligue 2, étant donné qu'on est en train de parler du classement de l'AS Saint-Etienne. Donc jingle, actu Ligue 2. Active Saint-Etienne Night Club. L'actu de la Ligue 2. Alors justement, on parlait du positionnement de l'AS Saint-Etienne au classement. Au-dessus de nous, il y a Laval, Angers et Auxerre notamment. Est-ce que pour vous, c'est eux les trois principaux concurrents des Verts pour la montée cette saison? Ou est-ce que, par exemple, Laval est en sur-régime et va s'effondrer à un moment? On rappelle que Laval est sur 6 victoires consécutives, ce qui n'était jamais arrivé dans leur histoire, par exemple. J'ai un peu tendance à croire que Laval risque d'avoir un petit peu de mal à tenir cette cadence tout au long de la saison. Par contre, pour ce qui est des autres équipes, on est quand même sur des trios d'équipes taillées pour la Ligue 1. Auxerre, Angers, Grenoble, Saint-Étienne, même derrière Guingamp qui n'est pas très loin. C'est des équipes qui sont capables de monter en Ligue 1, qui ont pour certaines qui étaient en Ligue 1 récemment, pour certaines battues pour être en Ligue 1 ces dernières années, cette battue pour monter en Ligue 1 cette année. Donc voilà, le combat il va être dur, le combat il va être compliqué parce qu'il y a des équipes qui ont des systèmes des manières de jouer complètement différentes de nous. On l'a vu avec le match face à Grenoble en début de saison. On peut voir avec Angers qui développe un très bon football. Auxerre vient juste de descendre et ça marche très bien. On sait que l'effet ascenseur comme a pu le faire Troyes par exemple certaines années, ça peut être une vraie source de motivation pour les joueurs. Nous on est un petit peu on est un cas différent dans toutes ces toutes ces équipes-là, par rapport à ce qu'on a vécu la saison dernière, le début de saison catastrophique et puis l'éclaircie en seconde partie de saison. Donc on est un cas un peu particulier. De là à dégager un rival ou deux rivaux pour la montée, j'en ai encore un petit peu de mal. Il n'y a que 10 journées de jouer, mine de rien, et c'est difficile de se faire un vrai avis. Et puis comme le disait Martin tout à l'heure, c'est une Ligue 2 qui, on le sait, est très homogène. Donc effectivement, c'est dur de sortir des favoris. Même si quand même Angers, on le rappelle, a dans ses rangs Loïs Diony, qui a quand même provoqué 2 pénaltys ce week-end, qui est un joueur, on le rappelle, qui a été le plus cher de l'AS Saint-Etienne. Allez, ça c'était juste pour l'anecdote. Martin, ouais, t'es d'accord sur les principaux concurrents? Ouais, c'est encore compliqué pour dégager des favoris. Moi, faire attention à Auxerre quand même, parce que je pense que c'est l'équipe aujourd'hui la mieux armée, à mon sens. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Ligue 2, voilà, j'ai vu. Mais je pense qu'Auxerre est bien parti. Ils ont de la confiance en eux. Ils étaient en Ligue 1 l'an dernier. Ils ont des bons joueurs comme le petit Gauthier, hein, moi que j'aime beaucoup. Donc, ouais, Auxerre va falloir faire attention. Faut pas les laisser trop s'échapper. Mais à contrario, j'enterrerai pas complètement une équipe comme Caen, qui est aujourd'hui 11e, qui reste Ah sur ben, tiens, c'est bien que tu parles de ça parce que je voulais vous demander justement, et bah du coup je me tourne vers toi. Bordeaux et Caen, pour toi, c'est qui sont des clubs historiquement plus habitués à la Ligue 1, c'est pas mort pour la montée donc. Non, je dirais qu'en non, même si là il reste sur une série catastrophique. Mais voilà, ils perdent contre Guingamp, un but à la 77e ce week-end. Voilà, moi j'enterrerai pas Caen. Ok. Bordeaux, je sais pas. Riera, enfin, le nouvel entraîneur là, j'attends de voir. Je suis pas certain que c'est ce type d'entraîneur là qu'il faut pour ce club-là à ce moment-là. Mais Bordeaux, moi ça me paraît compliqué. Quand j'y crois encore. Voilà, Auxerre, Grenoble c'est solide, Laval ouais, ils sont peut-être un peu en sur-régime aussi. C'est difficile hein, de sortir des favoris absolus parce que il n'y a jamais de favoris absolus en Ligue 2. Ouais. Mais bah, si je devais en sortir un, je mettrais Auxerre quand même. Ok. Karl, sur ce petit état des lieux de la Ligue 2, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres? Il y a David d'abord qui nous dit qu'évidemment pour lui il faut qu'on regarde vers le haut. On va à Caen et à Troyes et on revient avec 6 points. Cela a dû engendrer de la confiance dans l'effectif, même si celui-ci manque d'un ou plusieurs leaders. Donc ça c'était concernant la SSE. Sinon, il y a un autre David qui nous dit que les principaux concurrents de la SSE sont Auxerre et Angers selon lui. Il y a les Boulas qui nous dit de ne pas oublier Grenoble. Il y a ceux qui voient Laval
et c'est en régime. Ça va finir ventre mou pour Napsinté. Laval va finir cinquième pour David Levert. Leïla qui pose la question, elle qui dit Laval en sur-régime, est-ce qu'on disait pas ça pour Le Havre la saison passée? C'est vrai. Auxerre Angers, c'est meilleur que nous pour Elkato. Laval tiendra pas. Angers vont venir avec leur va venir avec son meilleur buteur, Diony. Et Auxerre, archi favori pour moi, c'est David Lanco. Elkato qui dit que Laval marque un but et c'est le but ensuite selon lui. Enfin voilà, donc il y a toujours un peu les mêmes noms de concurrents qui reviennent. Il y a David qui voit Bordeaux être loin du podium. Le club sera rattrapé par l'extra-sportif selon lui. Voilà. Ok. Bon, eh ben, messieurs, en tout cas, je vous propose qu'on passe au prochain match, puisque nous allons affronter Laval après la trêve internationale, et on va en parler un petit peu. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Alors, Laurent Batless a évoqué le match en disant que ce serait un exploit de gagner à Laval. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui en fonction de ce qu'on vient de dire sur Laval? Ou est-ce que pour vous, il est juste en train de préparer médiatiquement le match en se protégeant un petit peu en cas de mauvais résultat? Non, mais si c'est un exploit de battre Laval, même à Laval, je pense qu'il faut mettre sous cloche les ambitions et finir tranquillement dans une seconde partie de tableau. Oui, Laval fait un début de championnat extraordinaire. Oui, son leader incontesté et incontestable. Enfin, c'est l'AS Saint-Étienne quand même. Donc à un moment, on peut pas dire des choses comme ça. C'est une façon d'ouvrir le parapluie. C'est une façon d'aborder ce match avec moins de pression. Mais en même temps, c'est un match. Alors, je sais pas si c'est encore un match clé parce que ça sera que la 11e journée, mais en tout cas, c'est un match important. C'est-à-dire que si Laval s'impose, ils ont 10 points d'avance sur l'ASS. Donc là, un rebours de 10 points, ça commence à être sérieux. En revanche, si tu même un match nul, si tu brises la série du leader, bah, tu affirmes tes ambitions. Ouais. Donc c'est un match important et je dirais pas que Laval est absolu favori, que ce sera un exploit de faire un résultat là-bas. Antoine, tu partages cette analyse? Complètement. Franchement, là, pour avoir regardé le Bordeaux-Laval de ce week-end, Laval a très peu d'occasions. Bordeaux a pas mal d'occasions, mine de rien. Ils ont la possession. Voilà, ils marquent ce but en début de match. Enfin, je crois que c'est à la demi-heure de jeu qu'ils marquent. Et après, le reste du temps, c'est juste Bordeaux qui est dans le camp de Laval, Laval qui subit, avec une très grosse densité physique. Par contre, ça, c'est vrai. Ils sont capables d'élever leur intensité. Ça a beaucoup, beaucoup dérangé les Bordelais. Mais mine de rien, avec un petit peu plus de réussite, Bordeaux serait revenu dans la partie et aurait pu au moins accrocher le match nul. J'ai pas été surpris par cette équipe de Laval. C'est vraiment une équipe qui est très solide, qui est très dure physiquement. Ils essaient d'imposer ce combat physique aux autres équipes. Saint-Étienne va devoir répondre présent là-dedans, va devoir aussi se montrer très intuitif sur les coups de pied arrêtés. Ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de joueurs très grands en taille. Voilà, c'est une équipe qui commence aussi à être connue par ses autres adversaires. On sait à peu près maintenant comment elle évolue. On sait quels sont ses points forts, pardon. On sait quels sont ses points faibles. Voilà, il y a aucune raison de dire que gagner à Laval c'est un exploit. Il faut juste dire que ce serait une belle perf de mettre fin à la série d'invincibilité et même de victoire de l'équipe en forme en ce moment, mais ça ne va pas plus loin. Oui, d'autant plus, oui, effectivement, comme tu le dis, maintenant il n'y a plus l'effet de surprise de ah bon, bah, c'est Laval, on prépare le match comme on le préparait contre un club de milieu ou bas de classement. Là, on sait que c'est un gros rendez-vous du championnat. En vue de la préparation du match, je vais vous afficher pour vous le chat et pour tout le monde l'effectif. Hop, directement sur l'écran. Est-ce que vous feriez des changements? Alors, je vais directement enlever Diarra parce qu'il sera très 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 probablement blessé et Bouchouari parce qu'il sera suspendu. Est-ce que vous voyez un changement de système? Et si vous ne voyez pas de changement de système, qu'est-ce que vous voyez comme changement de joueur? Je me tourne vers toi, Martin. Changement de système, bah comme je l'ai expliqué en début d'émission, absolument pas. Ouais. Enfin bon, à un moment, faut construire sur ce qui fonctionne. ouais. Tout ne fonctionne pas, mais en tout cas, ce qui fonctionne, c'est le système et cette défense, ce milieu. Donc, je ne toucherai ni à la défense ni au milieu. En attaque, bah, foncièrement, il va falloir remplacer Diarra. C'est compliqué, c'est très compliqué. Hormis Rivera, qui effectivement épouse exactement le même pro. Enfin,
Les deux joueurs sont différents, mais malgré tout, c'est le seul joueur de rupture qui te reste dans l'effectif. Je mettrai Rivera à la place de Diarra. Après avoir si Wadji est ou non disponible. Mais sinon, je repartirai avec cette équipe-là. Ok, et à la place de Bouchoirie, du coup? À la place de, ah oui, c'est vrai, à la place de Bouchoirie, je mettrai Moueffec. Ouais, probablement Moueffec. Alors, Antoine, je viens vers toi, mais du coup, je vais préciser avec une question. Pour l'instant, le remplaçant naturel de Diarra, on a vu que c'était plutôt Ben Taïg, mais il y a Rivera sur le banc, mais on se souvient aussi que Karim Cissé a fait quelques entrées en jeu intéressantes en début de saison. On se souvient que Antoine Gauthier, qui est très apprécié par Laurent Batless, peut jouer à ce poste et que il avait fait une bonne préparation. Est-ce que pour toi il peut y avoir un jeune autre que Rivera qui tiendrait le poste? Bah justement, tu m'ôtes presque les mots de la bouche, hein, Aïe, parce aïe, que aïe, désolé. y a pas de... Non, c'est vrai que le Karim Cissé qui avait été très bon en préparation, il peut venir gratter du temps de jeu. Il est habitué un peu plus de l'axe, mais il est capable aussi, par son dynamisme, de jouer sur un côté. Je préférerais le voir que Maxence Rivera, mais pour autant, j'aurais tendance à mettre Victor Lobry, qui a été très décevant, très décevant dans toutes ses entrées en jeu, mais qui a peut-être besoin de retrouver un peu de confiance. Il a eu fait des bons matchs avec Saint-Etienne sur la première partie de saison l'an dernier, dans une équipe qui tournait mal. On a vu que c'était quelqu'un qui était capable de bonnes orientations de jeu, quelqu'un qui tient le ballon. Oui, un Karim Cissé face à une équipe aussi dense physiquement que Laval, j'ai un petit peu peur que ça puisse être compliqué pour lui. J'aurais tendance à mettre Victor Lobry, avec cette fois un Karim Cissé sur le banc et un Karim Cissé, pourquoi pas, entrant en fonction de l'évolution du match. Et voilà, moi, ça serait plus cette logique-là que je mettrais en place. Et donc toi aussi tu mettrais Mouefek à la place de Bouchouari. Oui, Moueffec à la place de Bouchouari, incontestablement. Ok. C'est vrai que Lobry maintenant on commence à plus trop savoir quel poste il joue parce que quand il jouait à Pau il jouait plus offensif que chez nous. Chez nous il a joué arrière-gauche, il a joué milieu de terrain, il a joué ailier, il a joué 10, il a un petit peu joué tous les postes, donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à le situer. Karl, dans le chat, j'ai vu que t'avais... Ouais. C'est un des joueurs qui court le plus Ouais, sur les ça matchs de c'est la vrai. saison. Là, c'était un des joueurs qui court le plus. Et dans cette rencontre-là, ça risque d'être une rencontre qu'il va falloir cavaler un petit peu. Ouais, Karl, dans le chat, j'ai vu que tu demandais un petit peu leur avis sur comment remplacer Diarra et Bouchouari. Oui, alors les noms qui reviennent principalement dans le chat, c'est Moueffec à la place de Bouchouari et Rivera à la place de Diarra en passant pourquoi pas Cafaro à gauche. Il y a ceux aussi qui n'enterrent pas Dylan Chambaud, par exemple. Ouais. Chambaud aura son mot à dire pour David, Leila, Sid Rivera et Chambaud. Bon, après, il y a des gens qui sont un peu sévères, enfin, très crus, parce que sévère, je juge pas, mais cru en disant, par exemple, AS71 qui nous dit que Lobry est nul depuis un an. Il y a ST plutôt qui dit que Lobry est plutôt au milieu que sur un côté. Je préfère mettre Rivera à gauche, par exemple. Batless ne prendra pas le risque de mettre des jeunes contre le leader, à part peut-être Rivera pour David Lanco. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un match contre Laval, c'est peut-être dur de faire rentrer un Gauthier comme je le proposais, ou autre, c'est peut-être pas le moment. Messieurs, un petit prono, tant qu'on est sur la préparation de ce match. Qui veut se mouiller en premier? Et allez-y dans le Bon, chat, faites-nous vos pronostics. je me lance 0-0, non? Je sais pas, c'est ce qui me paraît le plus logique. Ok, un petit 0-0 pour Martin. Antoine, toi, tu vois quoi? Moi, je vais être un tout petit peu plus enthousiaste que Martin avec un 1-1. Rien de très excitant pour autant. Deux buts sur corner, un de chaque côté, un en première mi-temps, un en deuxième mi-temps, et on repart à la maison. Ok, eh ben écoutez, ce serait pas un si mauvais résultat que ça à l'extérieur, mais bon, on recollerait pas sur les pas de Laval. Karl dans le chat, il donne quoi comme pronostic? Écoute, il y avait pas mal de matchs nuls 0-0 ou 1-1. Pour ceux qui se mouillent un peu plus, enfin en tout cas qui sont optimistes ou pessimistes, il y a ST qui nous dit que 2-1 pour nous, ce serait l'idéal. Au plus logique, ça sera plutôt un 1-1 par contre. 2-1 pour Saint-Etienne, ça c'est Piazza le Breton qui est optimiste. Victoire 1-0 pour Space 38-42.
Lolo pour moi, 1-0 pour les Verts, but à la 85e minute de Sissoko sur penalty, la classique comme on dirait. Oui. Sissoko pour David également. Romain en tout cas qui nous dit qu'on va gagner là-bas, fin de série pour Laval, 2-1 pour nous. Donc quelques optimistes et vaillants dans le chat quand même. c'est vrai que statistiquement, que Laval fasse 7 victoires d'affilée, c'est assez peu probable. Donc si on était au casino et que là c'était 6 rouges qui étaient tombés, il faudrait peut-être miser sur les noirs, ou en tout cas sur les verts, vu qu'on parle de Saint-Étienne. Il nous reste 5 minutes, messieurs, dans cette émission, et je vous propose que nous fassions notre petit SNC Challenge. Alors pour le lancer, nous avons là aussi un nouveau jingle. Alors jingle. Active Synthé Night Club. Le challenge Synthé Night Club. Alors, vous le savez, depuis le début de la saison, on a lancé un nouveau petit challenge. Alors attendez, je vais vous afficher le classement actuel. Clac, boum, hop, le voici, le voilà. Alors, il y a deux trucs qui se superposent, j'arrive. Ok, c'est bon. Le principe il est simple. Toutes les semaines, on se fait un petit quiz en fin d'émission avec 4 questions, donc 4 points à remporter, un par question. Et le chroniqueur qui aura le plus de points à la fin de la saison, le meilleur ratio de points par émission, repartira avec un chèque qu'il fera gagner à l'association de son choix. Alors justement, messieurs, pour quelle association jouez-vous? Antoine, tu joues pour qui? Alors moi, je joue pour SOS Méditerranée. C'est une association qui vient en aide aux navires qui essayent de rejoindre l'Europe et qui sont bloqués aux frontières européennes, que ce soit en Italie, notamment en Italie, mais ça peut être aussi en Espagne, aux frontières françaises. Très bien, merci beaucoup. Et Martin, pour qui joues-tu? Moi, je joue pour l'association Un pas vers l'autisme. Donc c'est une association qui soutient et qui accompagne les personnes concernées par l'autisme. Voilà. Ok, et eh ben. Super. Alors, on commence avec une question qui va se jouer probablement un petit peu au pif, je vous avoue, mais je la trouvais drôle. Alors, messieurs, Jules Bigot, vous vous souvenez déjà de ce joueur passé par Saint-Étienne? Voilà, on Pas est du d'accord. monde. Il détient le record de buts marqués en un seul match sous les couleurs stéphanoises. Mais je vais vous demander avec combien de buts? Petite précision historique, c'était le 15 décembre 1940 contre le CD Lugdunum, qui est l'ancien nom romain de la ville de Lyon, et c'était en 16e de finale de Coupe de France. Combien de buts a marqué Jules Bigot dans ce match-là, sachant que c'est le recordman du nombre de buts en un seul match sous les couleurs vertes? Je vais vous demander tous les deux un pari et le plus proche repartira avec le point. Antoine. Eh ben, 1940, tu dis? Ouais, alors Je c'est dirais. 1940 buts, ça fait un peu trop. Non, 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 je dirais 9. 9 buts, ok. Martin? 10. Oh, et c'est un tout pile, GG. GG à Voilà. Martin, effectivement, Jules Bigot a inscrit 10 buts contre le CD Lugdunum en 16e de finale de Coupe de France le 15 décembre 1940. Je suis sûr que vous ressortirez cette anecdote dans vos rendez-vous de supporters. Deuxième question, donc un point pour Martin. Deuxième question, quel est l'âge moyen de l'effectif actuel? Vous avez le droit à une décimale, genre si vous pensez que l'âge moyen de l'effectif actuel c'est 14 ans et demi, et ben vous dites 14,5. Donc quel est l'âge moyen de l'effectif actuel? Là aussi, le plus proche repart avec le point. Martin. 26,7. 26,7, ok. Antoine. Moi, je dirais 26, un peu moins 26. 26,0. 26, combien? 0, 26 pile. 26 pile. Eh ben, c'est toi qui es le plus proche. Et vous étiez tous les deux très proches. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis. C'est 26,2 ans, la moyenne d'âge de l'effectif. Je me suis basé sur la base de données Transfermarkt. Donc, ça fait un partout. Maintenant, je vais vous demander d'essayer de deviner le nom d'un joueur. Et je vais vous parler de sa vie pour que vous puissiez le trouver. Dès que vous avez une idée, vous dites votre nom et je vous donne la parole. Formé dans un petit club de sa région natale, le ZOM Nymburk, il rejoint à 14 ans le Sparta Prague, où il restera jusqu'à ses 27 ans et où il aura gagné de nombreux titres, à la fois sur le plan national, mais où il aura aussi disputé la Coupe d'Europe. Il dispute la Coupe du... Oui. C'est un joueur actuel? Non, c'est pas un joueur actuel, hein. C'est un joueur à la C'est retraite.
Est-ce que Marek Antoine? Non. Marek Hainz? Non, c'est pas Marek Hainz. Antoine, t'as une proposition? Ivan Asek? Oh putain. Oh putain, bien joué. Eh ben écoutez, j'avais préparé un long truc en pensant que ce serait hyper dur à trouver. Effectivement, c'est Ivan Asek qui est pas passé. Alors il y avait un petit piège, il est pas passé à Saint-Étienne en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Je vous finis sa petite description parce qu'il y a des anecdotes rigolotes. Il dispute la Coupe du Monde 90 en étant capitaine de sa sélection, mais sera éliminé en quart de finale par le futur vainqueur, la RFA. Après la Coupe du Monde, il signe à Strasbourg pour 4 ans où il évoluera aux côtés d'Olivier Dacourt pour former l'une des meilleures doublettes du championnat de France. À 31 ans et sous les conseils de son ami Arsène Wenger, je savais pas qu'il était pote avec Arsène, il rejoindra le Japon pour 2 saisons où il marquera de nombreux buts et deviendra un joueur reconnu. Qui suis-je? Vous ne trouvez pas? Quel rapport avec Saint-Étienne? Ok, je continue. Moins d'un mois après sa retraite de joueur, il devient entraîneur du Sparta Prague en même temps que sélectionneur adjoint de la République tchèque. Après une grosse période à aller de club en club, de Strasbourg au Vissel Kobe, en passant par la sélection gabonaise, il prendra les rênes de l'AS Saint-Étienne en 2006. Et après une première partie de saison 2006-2007 réussie, Saint-Étienne se classe 11e. Les objectifs du club cette année-là étant de finir dans les 10 premiers. Son contrat est rompu et il est remplacé par son adjoint Laurent Rousset. Là, les gars, faut trouver. Je suis Asek. Je suis Ivan Asek. Bien joué, Antoine. Je pensais pas que vous trouveriez si vite. Ça fait 2-1. Le Marek Hainz m'a mis sur la piste de Ivan Asek. Ouais, alors je vous avoue que quand j'ai commencé à préparer le quiz, j'avais commencé en préparant une question sur Marek Hainz et j'ai vu qu'il était pote avec Ivan Asek et je me suis dit, ah purée, mais Ivan Asek, ce sera encore plus dur à trouver. Bien joué. Dernière question, et là aussi une question assez originale, vous pourrez la ressortir, j'ai appris quelque chose en préparant cette question, vous pourrez la ressortir dans des dîners. En 1983, quel chanteur, dans sa chanson Supporters, disait aux amateurs de foot, il faut aimer les Stéphanois? Antoine, Antoine? c'est pas l'avoine. C'est Balavoine, bien joué, je ne connaissais pas l'existence de cette chanson. Et dans les paroles, il dit, joueur de foot, ça ne dure pas, la gloire est froide quand elle s'en va, supporter, supporter, faut aimer les Stéphanois. Alors je l'ai écouté juste avant l'émission, j'aime beaucoup Balavoine, c'est pas sa meilleure chanson. Et que tu n'étais pas allé assez à la Divette Montmartre, je pense. Oui, effectivement. Eh bien, ça fait 3-1, du coup, bien joué, Antoine, pour cette belle victoire. Tu marques un beau ratio pour ton total de fin de saison. Et c'est sur cette dernière question qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous qui étiez présents dans le chat. Merci à vous qui nous avez écoutés en replay sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Merci, bien sûr, à Karl qui est toujours là, toujours présent. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, on sera tous les deux à l'animation avec Kevin. Parce que c'est une émission un petit peu particulière, on aura un très bel invité. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le révéler pour l'instant, parce que je crois que ça n'a pas été encore communiqué sur les réseaux sociaux. Donc je laisserai le soin à Peuple Vert de communiquer ça. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, allez les Verts! Salut, salut! Salut!